salut les Valjean. Ici le grand, le seul, unique, Skull Boy Valmer pour vous servir. Et donc nous retournons sur Skull Girls. Oui, c'est... Oh là là, c'est impressionnant, c'est incroyable que je suis sur ce jeu en étant Skull Boy. Bref, donc on va continuer le mode histoire, hein. Et alors, si vous avez bien compris, j'y vais un petit peu à la bourrin pour ce jeu, hein. Je retiens même pas les combos des personnages, c'est pour vous dire. Voilà, donc je fais à peu près n'importe quoi avec. Et j'ai déjà oublié la moitié de ce qu'on m'a dit dans le petit tacticiel, vous savez, je vous ai dit que je vais vous faire les 8 personnages principaux et que je ferai les DLC plus tard. Et que je savais pas si j'allais vous les faire dans un mois, après avoir terminé les 8 histoires, ou si je vous les ferai durant la période Halloween. Bah en fait, je les ferai pendant la période Halloween parce que l'autre jeu est en fait très compliqué. Son story mode est assez... voilà quoi. Et pour ce qui est de ses combos et tout ça, faut vraiment les apprendre parce que sinon tu vas crever. Enfin voilà, donc le prochain jeu qui suivra Skullgirl, donc qui sera là le mercredi, ça va pas être de la tarte. Hein. Mais bon, nous sommes sur Skullgirl pour le moment, donc on continue. Donc voyons voir un petit peu. Alors, nous avons complété Filia, Cerebella, Peacock, et maintenant nous sommes à Parasoul. Parasoul, donc on y va, c'est parti. Alors l'histoire de Parasoul, si on ne nous la raconte pas durant le jeu, je vous la raconterai juste après, ne vous inquiétez pas pour ça. Parasoul ! Ça commence bien. Rapporteur. Bonsoir à tous, et merci de suivre le journal de 5 heures sur Canopy Kingdom Ways. Et merci une femme. Il faut me donner une claque là. Alors, ici Rachel Wong en direct de nos studios de la capitale nationale, Canopolis. Franck n'a pas de... n'est pas de service ce soir. Ah, normalement il y a un Franck. Ok. Bon, on va dire que tout à l'heure ce que j'avais fait c'était la voix de justement du mec qui présentait l'émission et elle... Enfin non, c'est le mec qui dit le truc de base, ok hein. Voilà, comme ça il n'y a pas de... Hein bon. À la une aujourd'hui, plusieurs témoins rapportent avoir vu une sculpture d'un loin de Méridien. Les autorités militaires de Canopy ont placé le niveau d'alerte Skullgirl sur Mauve. C'est pas encore sur Rouge, mais c'est sur Mauve. On demande aux citoyens de Noy Meridian de rester chez eux, d'être vigilants et de rapporter toute activité suspecte. Cette toute nouvelle incarnation de Skullgirl n'a pas encore été identifiée, mais nos sources du NMPD ont déclaré que ces victimes seraient toutes liées à la prestigieuse famille Medici. Alors ça, depuis le temps, on le sait. Lorenzo Medici, le membre le plus important de cette famille, famille s'est retiré de la vie publique et il vivrait caché à l'heure qu'il est. Alors oui, beaucoup de gens me disent « Oh, mais t'arrives pas bien à prononcer les noms, tu dis pas bien les mots et tout ça. » Mais écoutez, j'ai un problème avec ça, c'est comme ça, j'y peux rien. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je préfère quand ça parle à ma place, parce que sinon... oula. Lorsque l'on vient de fêter le 7e anniversaire de notre histoire de la dernière Skullgirl... Ah, ça fait à peine 7 ans, donc elle était sympa, la Skullgirl de l'époque. C'était la reine de notre propre royaume, Sa Majesté Nancy, que la Trinité bénisse son âme. D'ailleurs, ok, alors c'est la reine en fait de tout un royaume qui a décidé de péter un câble. Ok, l'apparition d'une nouvelle Skullgirl ne manque pas d'inquiéter. On avait beau s'y attendre, le cœur de notre nation est une nouvelle fois secoué, juste quand la vie semblait avoir repris son cours. Mais nous ne serons pas vaincus, nous saurons faire face à ce nouvel ennemi. En lien avec la famille royale, la fille aînée de la reine Nancy et du roi Franck, la princesse Parasoul, a réussi à arrêter Quintana, la célèbre terroriste hybride de Gigan, avec l'aide de ses troupes militaires d'élite, les Aigres Noirs. Oui, alors voilà, donc Parasoul est en fait la fille d'une Skullgirl, donc forcément elle connaît bien le truc quoi. Comme annoncé précédemment, Quintana attaqué le mémorial de la grande guerre des Renois à Canopolis et a été incarcéré à la prison sur route de sécurité d'Alzator. Ah, et la voilà donc enfin. Une fois de plus, grâce à la princesse Parasoul et ses aigrettes noires, putain pour les noms s'il vous plaît quoi. Bon, et ça fait très nazi là pour le coup, le drapeau rouge, blanc et noir. Vous pourrez dormir tranquille malgré l'apparition de cette nouvelle menace. En ces temps incertains, il est bon de savoir que nous pouvons toujours compter sur la force et la volonté de faire de notre famille royale. Ouais, surtout quand ils portent ce genre de symbole. Bonne nuit à tous et faites de beaux rêves.
Alors là, on est plus sur la télé. Umbrella. Alors je crois qu'on la connaît, elle, dans les DLC, je crois, mais je sais plus. Enfin, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Bref. Je m'ennuie, c'est nul, on y va, j'avais une glace. C'est toi qui voulais venir, qu'est-ce que tu croyais? Ouais, mais j'ai changé d'avis. Ok. Je croyais que j'allais te voir mettre une raclée à des méchants avec tes lénés supersoniques, tes boules de billard et tes combos KFC. Tu vois quoi, des trucs cool, ok. C'est sympa les... ouais, c'est... Humour, 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 s'il vous plaît. Au lieu de ça, on passe des heures à regarder des prisonniers qui puent. C'est une prison ici, pourquoi je me battrais contre des gens qu'on a déjà arrêtés? Bon, bon, on va mettre la sécurité du royaume entre parenthèses pour que tu ailles... pour tuer ta glace, sale gosse. Sérieux, qu'est-ce que je vais faire de toi? On s'occupera de ta glace à notre retour au château. Youpi, je vais... Je savais bien que je finirais par marcher. Que ça finirait par marcher. Ok, 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 ok. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et c'est ça le château, et bah dis donc. Tu es prêt, voilà, la voiture nous attend. Ah d'accord. Bon sang, pas trop tôt. Alors pour moi, ce sera la fraise, et pour Hungry... Commandant Parasoul. Commandant, ouais, ok. Nickel, soldat, que se passe-t-il? Ok, c'est la panique, donc. Votre attesse de renseignement confirme la présence de la menace de la nouvelle Skullgirl à Noël Méridienne. Alors, c'est parti. Désolé, tu vas devoir attendre pour ta glace, voilà. Bon, allez, rassemble les aigrettes noires, déclenche le plan SG-009 et prépare la mobilisation pour Noël Méridienne immédiatement. Ouf. En fin de l'action, je viens avec toi. Non, voilà, l'heure est grave, je sais. Tu sais bien que tu ne peux pas venir, c'est dangereux. Quoi? Mais je veux juste te voir en action avec Grey. Madame, amène Umbrella prendre une glace et occupe-toi d'elle. Oui, chef. L'opération Hop Chocolat commence immédiatement, chef. Ok, on voit le genre du mec, toujours à donner des noms. Ah, c'est tout ce qu'il fait. Je veux plus de glace. Je veux plus de glace, je veux y aller aussi. Umbrella, je te promets qu'un jour, je te le revaudrai. Quand j'en aurai fini avec la Skullgirl, un jour, tu comprendras. Non, tu dis toujours ça. Sois raisonnable, notre peuple a plus besoin de nous que jamais. Tu sais à quel point c'est important, la vie de millions de gens est en danger. Je m'en fiche, je veux tout le temps enfermé. Je suis tout le temps enfermé dans ce château pourri avec tes gardes stupides. Je te déteste. Pourquoi tu... Ce n'est pas le moment, nous en parlerons plus tard. Hé hey Grete, on y va à Noël Méridienne. Là, c'est bon, je vais bafouer leur nom parce que c'est pas possible, j'y arrive pas, là. À vos ordres, chef. Ah, ma partouille. Attends, est-ce que c'est maman? Et maintenant, votre attesse, Umbrella, voulez-vous, où voulez-vous aller pour votre glace? Mais où est-elle partie? Attends, elle a bien dit maman? Le truc rouge, là, je... Non, 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 non. After you, Chris. C'est pas ça. Allez, hop. On arrête de discuter et on parle. Mais parlez les points. Ah, d'accord. Prends-toi les bagnoles dans la... Enfin, les motos. Échange ça. Aïe, 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 aïe. Ah, non mais oh, du calme. You fought well. Du calme, du calme, du calme. J'espère que je me trompe pour la merde de l'autre, pour Umbrella, là. Ladies and gentlemen, it's showtime. Aïe. I won't. Pourquoi ce personnage le tape plus? Elle a rien fait. Et voilà. Threat neutralized. Bon. Target confirmed. Ladies and gentlemen, it's showtime.
Ready, number 13. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Oui, vous voyez, je connais plus les combos de Parasoul, parce que c'est aussi un des personnages que je joue plus souvent. Dans le mode arcade. Good job, man. Comme Figa, quoi. Par rapport aux autres, évidemment. Ah, enfin! Parasoul, on nous confirme que la Soulgirl a été signalée près du casino River King. C'est pas normalement à l'église. Chef, cible confirmée. Excellent travail, soldat. Avancez vers la cible immédiatement et occupez-vous du Skull Air. On distingue mal le Skull Air, la cible est bloquée par... C'est votre sœur, la princesse Umbrella. Quoi? Que fait-elle là? Umbrella, c'est la Skull Girl, éloigne-toi. Mais non, Frangine, c'est maman, maman est revenue. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas notre mère. Vraiment très émouvant, Qui aurait imaginé que notre princesse au cœur d'acier puisse avoir un point faible? Ne te mêle pas de ça, c'est moi que tu combats. En temps normal, je serais d'accord, mais cette petite fille a l'air spéciale. On dirait qu'un lien puissant l'unit à la Skull Girl et cela exige des études plus approfondies. Mais ne t'inquiète pas, ce type d'étude devra pas se passer sans trop de douleur. Et maintenant, si tu veux bien nous excuser... Reviens ici! Ça ne va pas être possible, princesse, le devoir l'exige. Oh là là, double. This ends now. Ok. The gorilla fate is yearning. Action. Aïe. Aïe. Allez, double! Amène-toi! Napalm shot! Vois-tu dans la gueule, ma grande! Et voilà! A pathetic imposter. On continue. Double. Ah, dans sa beauté la plus naturelle. Pauvre princesse Parasoul. Sa mère était petite vulgaire et bientôt sa sœur connaîtra le même sort. Comment oses-tu, démon? Ce n'est qu'une enfant. Skull Air se moque de l'âge. Et quoi? Comme tu t'en doutais, quand ta mère était enceinte de ta sœur, elle portait aussi le Skull Girl en mer. Cette adorable Umbrella est déjà connecté au pouvoir du Skull Earth. Elle va donc développer un lien plus solide et plus terrifiant que celui qu'avait développé ta mère. C'est donc vrai, mais ça ne se passera pas comme ça. La Skull Girl et ta sœur attendent sous le regard éternel de la Trinité et continuent, et peut-être que le sort sera épargné. Princesse Parasoul, vous voilà. Nous éclairons un signal que la cible a été aperçue dans les environs de Mapcrest, et elle semble se diriger vers la grande cathédrale de la Divine Trinité. Merci Molly, on y va immédiatement, l'ennemi ne doit pas réussir. C'est très militaire. Donc l'église. Chacun explore son secteur de la cathédrale. Trouve la Skull Girl et ma sœur. À vos ordres, chef. Je vais te faire gagner du temps. Ta sœur et la Skull Girl se trouvent dans les catacombes. Comme par hasard, tout en bas. Le temps presse pour cette chère Umbrella et j'ai bien peur que l'on ne puisse te laisser intervenir. Tu me le paieras, démon. Tout doux, pourquoi tant de colère? C'est ici que ta mère priait pour la paix chaque jour. Elle serait si déçue. Ouais, bah on parle pas de la merde comme ça à quelqu'un, même si on est en combat. Sort of nightmare is this. Attends, on est prêt. Combat. Ladies and gentlemen, it's showtime. C'est parti. Aïe. Commence très bien, c'est vrai. Chut. Ah du coup, non, ça c'est sûr. Pas autant que moi. Ready, number 13. Aïe.
va. Allez, amenez-moi l'autre. Take the shot. Qu'est-ce que quoi? Ah ah! T'as essayé de me ralentir, c'est raté. Allez, allez. Et voilà. Winners don't use drugs. Allez hop. Excusez-moi si vous entendez encore le casque qui fait un bruit pas possible, mais j'essaie de trouver un moyen pour qu'il soit stable, mais ça y arrive pas. Donc, salut Marie. Marie qui est finalement plus gentille qu'on ne le croit, mais qui l'a fait super méchant. Umbrella, qu'est-ce que tu as fait, Schoolgirl? Absolument rien, elle était trop faible pour m'arracher le cœur, alors nous avons attendu. Elle me rappelle une vieille amie. Alors laisse-la partir. Impossible, son lien avec le cœur dévore sa vie en ce moment même, on ne peut pas le stopper. À moins qu'une personne prenne sa place, elle ne peut survivre qu'en devenant Schoolgirl. Je peux avoir une glace, maman? Je vais te détruire, espèce de monstre. Pourquoi tant de haine? Tu n'as donc rien appris de tes erreurs de ton père? Ah, maintenant il y a le papa dans l'histoire. Alors là, ça va être la baston. Préparez-vous à mourir. Ladies and gentlemen, it's showtime. C'est parti. Oula, je tourne à très peu d'effets. Je crois qu'une pause s'impose là. Ah non, ça va, c'est revenu. Aïe. Aïe. Ça va, on a encore 12 minutes pour se la faire en mode facile. Non, 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 non. Je vais gagner. C'est pas gentil, ça. You've got a lot to learn. Bah évidemment, on va essayer. Allez, on perd plus de temps. Everybody warmed up. Showtime. J'aurais dû dire showtime, mais... Oui, mais elle touche pas le sol, alors c'est pas la peine de relancer mes attaques comme ça. Know your place. See how weak you are. I dare challenge him. Know your place. I will. You dare challenge him. Don't be afraid. Stop them. Don't get. Ah, ça y est, je tremble, c'est pour ça, c'est ça, c'est là le problème, je me mets à trembler sur la fin. Attendez. J'ai des fourmis dans les mains. On reprend. Il y a encore 10 minutes, ma grande, alors c'est bon, tu peux tout envoyer. Ready, number 13. Voilà. Hey, coupe à moi pour de vrai. Non, maintenant je sais comment.
J'en ai profité pour m'entraîner, ma grande. Aïe. Mais il s'est modifié de partout, comment tu veux que j'y arrive? Voilà. Voilà, comment tu veux qu'elle dise l'orbite? You've got a lot to learn. Sur la fin, faut avoir des combos d'attaque plutôt aérien que j'ai, mais le problème c'est que j'arrive plus à la faire sauter. Ceux qui ont une allusion sexuelle ne sont que de gros pervers, vous ne méritez pas la vie. Je crâne encore, je peux me défendre. C'est gros, hein. Voilà, c'est gros comme lui, là. Ce serait dommage de se mettre en somnambule juste pour ça. Mais comment veux-tu que j'y arrive? See how weak you are. See how weak you are. Show them your spawn. See how weak you are. Alors là, j'arrive même plus. Attendez. Try again, kid. Peux me la faire, peux me la faire. It all depends on your skill. Action! Hey, sors-nous un super combat de la mort. Je vais y arriver. Voilà. Attendez, maintenant que j'y pense, c'est pas l'ombre de la mer justement là derrière en fait. Know your place. You dare challenge me. Here's a surprise. Know your place. Allez, allez, je peux la battre. Know your place. Allez, super combo de la mort qui tue, tu peux sortir de là. Oh zut. Give up now. Peux me la faire, peux me la faire, peux me la faire. Tu ne gagneras point. Bon allez, dernier essai, après quoi je passe en train de nul là, puis Ouais là quand même, c'est un peu. Voilà le super combo que je demande. Bon après, si tu pouvais sortir les motos, ce serait encore mieux. See how weak you are. Take the shot. Allez. Ah, tiens, je peux me la faire, je peux me la faire, je peux me la faire, je peux me la faire. Dernier coup. Yes. On a gagné. Alors oui, c'est fils du destin et pas fille du destin. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Maman! Umbrella, non! Bon sang, elle est trop proche! Si je tire dans le cœur, elle mourra dans l'explosion! Non. Il n'y a donc pas d'autre solution. Ah, elle va pas quand même se transformer en Schoolgirl, là. Ah bah si. Schoolgirl, je souhaite que ma sœur ne devienne jamais une Schoolgirl. Schoolgirl. Attention, attention, qu'est-ce que c'est que ça?
ta sœur sera épargnée. Et en temps voulu, tu prendras sa place. Ça va, Umbrella ? Allez, je veux des céréales. Ça, c'est une enfant. Ça va. Dors bien, Frangine, car demain, tu commences ton entraînement. Ça va, là aussi c'est une bonne fin, je trouve. Décidément, faut croire que les seuls personnages avec lesquels j'apprends les combos, ce sont ceux qui ont la meilleure histoire. Enfin, la meilleure fin, je trouve, personnellement. Parce qu'on sait qu'elle va devenir une schoolgirl comme Philia, mais... Ça va, quoi, mais oui, regardez, c'est bien. Bon, il y a le symbole nazi, là. Non, ne me dites pas que vous reconnaissez pas, quand même, là. Ça se voit trop, là. Excusez-moi. L'escrime, bon, oui, on peut commencer par l'escrime. Là, je peux pas accélérer, hein, ça avance tout seul. Et voilà, c'est terminé pour Parasoul. Chaque fois que je dis Parasoul, je pense à Soul Eater et à Soul Eternaut. Et j'adore les deux. Oui, je sais, Soul Note, y a pas de baston ou très peu, et c'est une histoire gnangnan, 2-3 nana, voilà. Non, mais moi, j'avais bien aimé, moi, Soul Eternaut, j'aimais bien, surtout pour le générique, en fait, l'opening était bien rythmé, je trouvais. Donc voilà. Donc ça c'était mon truc sur Soul Eater, puisque j'adore la Soul Eater et Soul Eater Note. Bref, donc voilà, c'est fini, c'est terminé. Alors, qui c'est qui nous reste? Nous reste Miss Fortune, Penwheel, la fermière folle, Valentine, et Double, le démon. Donc sur ce, les Valjeans, portez-vous bien, mangez les cookies, vous connaissez la suite. Et ciao ciao! Sure, down beneath the sheets, the world is yours to conquer.
Alors, pour ceux qui seraient restés dans le générique, donc je sais que je parle au moins une personne sur mille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous venons de faire la moitié du jeu de base, du jeu d'origine, hein, voilà, sans les DLC. On est déjà à la moitié. Jusqu'à maintenant, nous avons fait plutôt des personnages bons. Et comme vous avez dû le comprendre, la plupart des personnages sont tous bons. Cerebrella, à la fin, on peut dire qu'elle passe du côté obscur, mais elle a du regret quand même. Donc, ça va, elle reste encore dans le côté du bien. Miss Fortune, on sait que c'est une histoire de vengeance, donc voilà. Mais c'est parce que sa famille est morte et tout ça, donc... je suis pas pour que des gens tuent par vengeance. Mais pour... dans les animés et tout ça, je l'accepte parce que c'est justement... Ils ont adoré ces gens, ils veulent honorer leur mémoire. Et ils veulent s'assurer que la personne qui leur a enlevé la vie disparaît aussi pour ressentir la même douleur. Donc, Miss Fortune, on va dire qu'elle est plutôt neutre. Pour Penwheel, c'est le même cas, neutre. Parce que, vous avez vu, c'est plutôt une manipulée. Et son histoire, comme on ne la connaît pas encore, on ignore totalement quel choix elle va prendre. Mais pour le moment, elle est neutre. Comme donc notre chère amie Miss Fortune. On verra si toutes les deux vont changer de direction. Est-ce que Penwheel sera toujours manipulée? Et est-ce que Miss Fortune va-t-elle toujours penser qu'à la vengeance? Et les deux seuls en fait personnages mauvais sont Valentine et Double. Donc ça veut dire que les deux derniers personnages que je ferai sont des histoires noires et obscures. Donc ça va pas être des fins gentilles, hein. Ils vont pas devenir gentils comme ça du jour au lendemain. Donc voilà quoi, c'était juste pour dire ça. Donc voilà, c'était pour si jamais il y en avait qui étaient restés pour la musique, pour la chanson, qui est quand même plutôt belle. Donc voilà. Donc là maintenant je me tais et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui suivent donc Skullgirl, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour voir la suite.